Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste ensemble l'Alomochrome Metropolis qui est sorti en décembre dernier. C'est une pellicule particulière et j'ai hâte de la tester avec vous. Alors c'est parti! La Metropolis est la dernière sortie de la gamme Lomochrome de chez Lomography. C'est un film négatif couleur qui a la particularité d'avoir un rendu un peu désaturé. Dans les Lomochrome, on connaissait déjà la Purple, mais aussi comme d'autres films Lomography, comme la Red Scale par exemple, c'est un film à sensibilité variable. C'est-à-dire que vous pouvez alternativement, d'une vue à l'autre, la shooter comme une 100 ASA ou bien comme une 400 ASA. Ce qui accentue plus ou moins l'effet de la pellicule. On le voyait notamment sur la Purple, qui était plus violette quand on l'a sous-exposée en la shootant à 400 ASA, alors que l'effet était plus atténué quand on la shootait à 100 ASA. Je suis allé faire des photos dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans le 13e arrondissement, et je suis assez content d'avoir pu tester la Metropolis en ville, parce que c'est une pellicule qui est idéale pour les photos de bâtiments, d'architecture. J'étais dans de très bonnes conditions lumineuses, parce que c'était très ensoleillé et le ciel était dégagé. Déjà, je voulais vous expliquer comment régler les ASA, la sensibilité, sur votre appareil. En général, je vous dis de garder le même réglage ASA sur toute votre pellicule, ce qui n'est pas le cas avec la Metropolis, parce que vous allez pouvoir passer de 100 à 200 ou à 400 ASA à souhait. Tout ça en changeant simplement le réglage sur votre appareil. C'est-à-dire que si vous êtes en extérieur et que vous avez suffisamment de lumière, vous pouvez vous caler sur 100 ASA, et sur la vue d'après, si vous êtes en intérieur, passer à 400 ASA. J'ai essayé quelques prises de vue avec les deux réglages, 100 et 400 ASA, et la différence de l'effet est pas très grande. On voit un peu plus de densité quand on shoot à 100 ASA, mais c'est assez imperceptible comparé à la Lomochrome Purple ou à la Red Scale qui ont un voile de couleur quand on les shoot à 400 ASA. Si vous voulez les meilleurs rendus avec la Metropolis, mettez du rouge dans vos photos. Comme pour la Lomochrome Purple, les rouges ressortent très bien dans les images. Moi, ça tombait super bien qu'on soit en pleine période de nouvel an lunaire. De manière générale, ce que je préfère, ce sont les reflets dans les fenêtres, celles des immeubles ou celles des devantures de magasins. J'ai aussi testé un portrait et ça donne une drôle de teinte au pot clair, mais j'aime beaucoup le rendu aussi. Mais probablement ce que je préfère dans cette pellicule, c'est le rendu des lumières tungstène. En général, avec une pellicule comme une Fuji, je suis pas fan de la teinte verte que prennent les néons en intérieur. Mais là, avec la Metropolis, les néons, ils ont un rendu beaucoup plus neutre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la.
Dites-moi en commentaire laquelle des deux lomochromes de l'homographie vous préférez. On organise une initiation Métropolis en partenariat avec l'homographie et Émulsion le 8 janvier à Paris. Le matin, j'animerai un atelier photo de 3 heures, on fera des photos dans Paris. Et l'après-midi, vous pourrez développer votre pellicule chez Émulsion et faire vous-même le tirage d'une de vos photos. Le nombre de places est très limité, alors inscrivez-vous vite sur le lien qui est en description. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. Vous pouvez maintenant soutenir cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget et en échange de quelques contreparties. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis plusieurs mois maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Allez voir Couper, la web-série qu'on a créée avec 15 mètres carrés qui est disponible sur YouTube. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao !